Avec Caravan Palace pour The Clubbing, donc avec Sonia qui est la chanteuse du groupe. Donc déjà, est-ce que tu peux présenter un petit peu le groupe, parce que moi je vous connais pas, donc qui fait quoi dans le groupe finalement? Ok, alors dans le groupe on est 6 maintenant, et donc il y a les trois larrons qui étaient à l'origine du projet, qui sont donc Hugues Payen au violon, Charles Delaporte à la contrebasse et Arnaud Vial à la guitare, et qui sont aussi donc tous les trois programmateurs. On dit programmateur ou programmeur? Alors moi je suis la quiche en fait, je suis la fille, donc c'est celle qui parle mal de la technique. Voilà, donc ça c'est les trois Caravan Palace qui ont donc créé le projet il y a maintenant presque 3 ans. Et puis se sont greffés donc Antoine Toustou aux machines, Camille Chapelière à la clarinette et moi-même au chant. Voilà. Et ensuite, on est tous un petit peu polyinstrumentistes, donc on s'échange. Ah bah le voilà. Voilà, on s'échange un peu parfois les instruments sur scène. Bonsoir, dis un mot, Hugo. Ah, les escaliers, ils sont durs à monter. Hein. Alors donc, Hugo. Hugo vient de nous rejoindre, donc t'es l'un des membres fondateurs du groupe. Donc au début vous étiez 3, d'après ce que j'ai compris. Comment vous avez téléchargé les autres? De manière assez diverse, mais pour commencer par... Voilà, exactement. Si c'était si simple, ce serait bien. En fait, Sonia, on l'a rencontré parce qu'on le voulait bien, hein, faut le dire. Hein. Non, mais parce qu'en fait, on s'est inscrit sur MySpace pour chercher une chanteuse. Et on est tombé sur Sonia quasi immédiatement, donc bah voilà, c'est tombé très rapidement. Après, pour tous, c'était l'ami d'un ami qui a eu vent que nous cherchions un machineux, voilà, quelqu'un pour appuyer sur play, on va dire. C'est clair. Très naturellement, vu qu'il connaissait déjà un peu les machines et tout, donc on a vite collaboré ensemble. Et puis bah, le dernier, qui est donc Camille, est venu en remplacement d'un clarinettiste qu'on devait avoir à la base. Et donc on s'est extrêmement bien entendu avec lui, sinon on serait plus aujourd'hui avec lui, n'est-ce pas? Mmh. Ouais. Voilà, donc tout ça est très divers, mais finalement on a réussi à se trouver. C'est le principal. Et le Caravan Palace des débuts, ça ressemblait à quoi par rapport à maintenant? Le Caravan Palace du début, c'était... C'était une petite pompe manouche avec un petit thème de guitare et puis un pont, 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 et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils regrettaient cette époque bénie où on faisait tout en simple. Parce qu'après, on a vite complexifié le discours. Voilà, c'était un peu ça. C'était très simple, très basique, pas très ambitieux finalement, hein, parce que c'est vrai qu'on pensait pas vraiment à grossir le son ni rien, peut-être aussi parce qu'on savait pas vraiment faire et puis qu'il fallait un peu tâtonner pour trouver, quoi. En fait, je me permets de rajouter, parce que donc monsieur m'expliquait qu'il ne nous connaissait pas du tout, donc en fait par rapport à ta question, peut-être préciser que en fait leur projet c'était Caravan Palace au départ, mais que ça a commencé à exister sur scène pour les gens en fait une fois qu'on était 6, c'est-à-dire que les gens connaissaient pas le Caravan Palace du début. Voilà, parce que peut-être tu penses qu'il y a eu un avant, un après, qu'ils ont fait d'abord un truc à 3 puis ensuite à 6, mais en fait voilà, quand ça a émergé on était déjà 6, mais bon, ça s'appelait déjà comme ça avant qu'on arrive. Bah oui, ça s'appelait déjà comme ça, et puis on a évolué, on a vraiment tout fait évoluer à 3 au niveau du son, et puis bah, ça a continué à évoluer après qu'on les ait rencontrés et puis qu'on ait commencé à faire des concerts. Mais d'archives de Rudy Vial non, ça, des images d'archives, on a été très... Oui, non, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc,
Par contre, ce que je sais, c'est que c'est votre premier album, si je me trompe pas. C'est votre premier album, donc vous êtes connu grâce à la scène, Café de la Danse, il me semble, beaucoup. Alors justement, tourner comme ça dans les festivals, c'est pas un peu frustrant, sans support, sans album, pourquoi avoir attendu si longtemps ? Très honnêtement, on l'a pas choisi non plus. Hein, si on avait pu le sortir avant, on l'aurait fait. Et en même temps, maintenant, avec le recul, on se dit que si on l'avait sorti avant, il aurait été moins bon. Donc finalement, on est plutôt content de l'avoir ça. Et moins attendu, du coup, effectivement. Parce que le fait d'avoir tourné, ça a créé aussi une attente. Le petit buzz qu'il y a eu autour sur Internet nous a permis aussi de pouvoir faire exister vraiment le projet sur scène avant de lui donner une grosse consistance avec un disque et tout ce qui s'ensuit. Et puis quand même, l'effet de surprise, c'est vrai aussi, qui est quand même assez agréable quand on n'a pas de CD, c'est que les gens viennent voir et savent pas à quoi s'attendre. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et au 20 octobre, précisément, ça va s'arrêter. Pünktlich. Pünktlich, voilà. Ça va s'arrêter d'un coup, et c'est vrai que c'était quand même une sacrée période. Là, cet été, par exemple, on a énormément tourné dans plein de pays, plein de scènes, plein de festivals. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir les gens qui font « je connaissais absolument pas ». J'ai découvert là, j'en veux et tout. Il est où l'album ? On le fait, bah il y en a pas justement. C'est pour ça que tu connais pas. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après, après nous le déluge. Quand je lis la biographie, votre son est décrit comme électro swing manouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette étiquette ? De moins en moins. Et ça fait un petit moment déjà qu'on essaye un peu d'atténuer la référence au jazz manouche, parce que c'est vrai que finalement, comme je dis souvent, c'est qu'une petite branche, d'une belle branche qui s'appelle le swing, qui est lui-même une petite branche finalement d'un gros arbre qui s'appelle le jazz. Donc on a plutôt élargi On a plutôt élargi le discours vers le swing, donc plutôt l'électro-swing. Et effectivement, il y a toujours une petite teinte jazz manouche de par le fait qu'on met des pompes sur tous les morceaux, des pompes manouches, donc c'est vrai que ça teinte tout de suite les morceaux, que le guitariste utilise une guitare manouche, donc c'est pareil, que les thèmes sont joués au violon, ce qui n'est pas ni Dixie ni autre jazz swing autre que le jazz manouche en fait. Elle était dure ma phrase. Ouais. Moi aussi, t'as vu hein. Donc oui, ça reste toujours un petit peu jazz manouche, mais c'est vrai qu'on l'a plus noyé dans un bon verre de bière swing. Voilà. Pourquoi de la bière, c'est sûr. Palace sur scène, pour ceux qui vous ont jamais vu, à quoi ça ressemble ? Donc moi j'ai entendu dire, j'ai vu quelques vidéos, vous êtes un petit peu costumé, on va dire, looké, d'accord. Donc si vous pouvez me faire une petite description de à quoi ça ressemble, donner un petit peu envie aux gens de venir. Hugues Payen porte un pantalon en soie de chez Judith Allemand, il porte une chemise blanche, une cravate de chez Zara Man, marron à motif psychédélique, une gopette très assortie à sa cravate. Tous à la classe avec un costard. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un tableau, ça ressemble à deux calques Photoshop qu'on aurait mixés avec un des années 30 et un d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a une silhouette avec certains pantalons un peu look zazou, pour d'autres plus dandy. Et puis des baskets par exemple, Adidas fluo par exemple, parfois, hein, pas toujours fluo, parfois juste doré ou... Non, on essaye de mélanger vraiment l'ancien et le moderne. Et puis, pareil, il y a aussi des meubles sur scène qui sont des vieilles radios des années. Alors, du coup, on a un peu du mal à savoir, 30, 50, je sais pas très bien. À partir de quand il y avait la radio en France. Et puis, par exemple, on les customise avec des lumières un peu fluo dedans, phospho plutôt que fluo d'ailleurs.
Voilà, fut un temps, nous avions également quelques projections vidéo de, petits, de petites images un peu de la période. Je l'ai sur le bout de la langue. Ben, je n'arrive pas à le retrouver. Ben voilà, ancienne, ça couvre tout. Mixé avec des petits dessins animés, par exemple un peu plus modernes. Bon voilà, on essaye de. On avait par exemple un vieux lustre, mais fait en boule à facettes, ou des choses comme ça. On essaye de. Non, c'est de la mise en scène vraiment. C'est une recherche d'esthétiser un petit peu le tout. Parce qu'après, on n'est pas. Voilà, un peu improvisé. Mais même nos tenues, hein, on est assez libre, on a le droit de se changer un peu comme on veut, on se propose des nouveaux trucs. Ouais. Avant il avait des bretelles rouges, maintenant elles sont marron. Moi. À quand la cravate avec les touches piano, Hugo, hein? Alors pareil, dans votre bio, au niveau des influences, je lis aussi bien Django Reinhardt et Billie Holiday que Vitalik ou Justice. Par contre, dans votre son, ça s'entend pas trop. Il y a peut-être un ou deux morceaux, alors il y a peut-être un ou deux morceaux, le morceau Je m'amuse, je pense, qui est quand même pas mal électro. Bon, Django, c'est évident, hein. Et je sais plus quel était l'autre traditionnel qu'on avait. Billie Holiday, bien sûr, parce que c'est vrai qu'elle ça a été une grosse source de samples à la base qu'on a rejoué, qu'on a refait, qu'on a réinterprété. Mais ça fait partie quand même des gros standards qu'on connaît tous par cœur. Quant à Justice et Vitalik, c'est surtout une allusion en fait à l'évolution en fait du son. C'est-à-dire, tu me demandais comment c'était Caravan Palace au début et je te disais que c'était très simple, très basique. Bah, c'est aussi à force d'écouter des gens comme ça que ça a fini en fait par prendre un voilà quelque chose, mais quelque chose d'un peu plus consistant en fait qu'un simple kick un peu. Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot un peu enveloppé comme ça, un peu à la Saint-Germain, non, on était plus dans l'envie d'un dance floor plus barré. Et puis donc ça serait plus pour l'aspect Vitalik. Quant à l'aspect Justice, c'est vrai que ça a été un de nos gros chocs à tous dans le groupe ces deux dernières années. Et qu'on a, ça se voit pas mal sur la fin du concert. Alors je sais pas si tu seras au concert tout à l'heure, bien sûr. Là, tu verras clairement, il y a deux, trois passages vraiment beaucoup plus modernes, beaucoup plus énervés aussi. Et puis aussi dans les futures compositions qu'on est en train de mettre en place, où là, ça se sent clairement. Mais sans jamais renier les basses qui sont donc, comme je disais, une pompe manouche, des thèmes aux instruments, et également cette espèce d'ambiance un peu années 30, années 20, toujours le swing. Toujours là, c'est l'électro derrière qui est très évolutive. D'ailleurs, je propose comme prochaine couverture d'album Billie Holiday qui fait du lap dance. T'as de bonnes idées, toi. On va te maquiller en Billie Holiday qui fera du lap dance, ouais. Ça peut être. Ouais. Donc, vous avez tourné pas mal apparemment cet été, comme tu me disais tout à l'heure. Le public étranger, quel est l'accueil? Enfin, déjà, vous êtes allé où un petit peu faire une cartographie? Et quel est l'accueil du public étranger? Quel est le pays le plus accueillant finalement? On va pas faire de classement, hein, ça risquerait de froisser certaines personnes. Mais on a fait, alors déjà, on a fait pas mal de pays depuis un an et demi parce qu'on est allé en Grèce, on est allé en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Slovénie, en Pologne, en Espagne. Je sais plus quoi d'autre d'ailleurs, il y a dû y en avoir que j'ai oublié. En Belgique, je l'ai dit. Enfin bref, pas mal de pays européens. Et au Portugal. Mais t'étais pas là. Au Portugal, etc. Et en fait, je dirais pas qu'il y a un public meilleur que d'autres, mais par contre, on sent que la surprise est plus grande à l'étranger, en fait. La surprise est plus grande parce que c'est vrai que, par exemple, le jazz manouche, pour parler de ça, c'est quelque chose qui est très français, qu'on a vraiment nous dans l'oreille et dans la tête de par nos grands-parents ou nos parents. Là-bas, c'est un peu une petite découverte, quoi. Dans n'importe quel autre pays que la France, ça reste une découverte quand même. Même dans les pays de l'Est, parce que finalement, je dirais que c'est plus le jazz manouche est peut-être plus proche de la culture espagnole que de la culture de l'Est, que la culture balkanique ou ce genre de choses-là. Donc finalement, ça reste quand même un même esprit, je vais pas dire de fête, parce que c'est dangereux, hein, puis on se bat contre ça, mais c'est un même esprit ensoleillé, mais pas du tout dans le même esprit. Il y a moins ce côté tragique, on va dire, qu'on peut retrouver souvent dans la musique des Balkans. Mais la même spontanéité. Bon, après,
Le meilleur public, enfin le meilleur accueil, je pense quand même qu'en dans les pays de l'Est, c'est vrai que c'est, les gens sont très 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 curieux. Donc du coup, ils ont des réactions qui sont à la hauteur de leur curiosité. Ça, c'est assez étonnant. Après, franchement, les Espagnols, ils adorent faire la fête. Donc c'est vrai que ça, c'est super. Quand on va jouer en Espagne, on peut jouer à 2h30 du mat ou 3h du mat. À chaque fois, les gens, ils sont à fond. Ça, c'est super. Alors, j'ai regardé un peu le clip de Jolie Coquine, là. Qui est vraiment bien foutu. Voilà, alors qui l'a réalisé? Qui a fait ça? Qui est le coupable? Alors c'est un jeune homme, très jeune parce qu'il a 25 ans, mais très doué, qui s'appelle Victor Hegelin et qui travaille dans une boîte de production qui s'appelle Partisan, avec qui bosse régulièrement Gondry ou des gens comme ça, donc ils sont très spécialisés dans l'image par image, mais aussi enfin, tout ce qui est un petit peu décalé, on va dire. Quand on voit un concept visuel un peu spécial, c'est vrai qu'ils sont très très forts pour ça. Donc voilà, lui en particulier, beaucoup d'avenir, je pense. Il est très très fort. Ils ont fait ça en 15 jours, à 8. Ils ont passé toute leur nuit là-dessus et on a eu un résultat. Au bout de 15 jours, on allait faire les premiers visionnages. Étonnant. Et la jolie coquine en question, c'est qui? C'est lui. C'est toi? C'est lui? étonnant. Bah c'est marrant parce que Jolie Coquine, c'était un morceau instrumental à la base, donc finalement on pensait pas à grand monde, mais finalement ça te colle plutôt pas mal, je trouve. Voilà. T'es jolie, t'es coquine, enfin t'as tout pour correspondre à ce... Tu es jolie, tu es coquine, tu es jolie, coquine. Alors j'ai lu une petite anecdote un peu partout en lisant des trucs sur le net, concernant une BO d'un film érotique... Début du 20e siècle. Là. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette anecdote? Alors c'était plus qu'érotique, hein. C'était carrément pornographique. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, soyons clairs, je veux dire. Et il faut dire qu'à l'époque ils avaient beaucoup moins de tabous qu'aujourd'hui. Donc les films, même si on aurait envie de se dire que c'était un peu plus soft et tout, non, carrément ils sont même beaucoup plus hard que ce qu'on peut faire maintenant. Il mélange souvent les genres à tous les points de vue, donc c'est très spécial. Bref, on s'est retrouvé, pas moi personnellement, mais le contrebassiste a eu une commande de musique pour illustrer en fait un nouveau montage de ces films-là qui avait des plans un peu longs, on va dire, et pour une série sur Canal+, qui a jamais été diffusée. Et puis comme on bossait pas mal ensemble à ce moment-là avec Arnaud et moi-même et puis Charles. Et du coup, c'est vrai qu'il a pensé direct à nous pour mettre un peu tout ça en ordre. Et puis, c'est vrai que ça nous a plu. C'était un morceau qui était, comme je te disais tout à l'heure, très basique. Il se passait pas grand-chose là-dedans. Ça tournait beaucoup, mais il y avait une idée qui était assez flatteuse. Et du coup, on a commencé à composer des morceaux là-dessus. Donc, c'est vraiment grâce à ces films pornographiques des années 20 que tout est parti. On peut le dire. On leur doit beaucoup. C'est la dernière question, donc je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin un coup de promo, donc notre disque sort le 20 octobre dans toutes les FNAC, pas du monde encore, mais ça ne saurait tarder. Ce même jour, nous commençons une série de concerts à Paris qui seront donc du 20 au 24 octobre au Café de la Danse, voilà, notre QG. Cette même matinée du 20 octobre, hein, puisque journée chargée pour nous, nous passerons en direct dans l'émission Le Fou du Roi sur France Inter. Donc vous pourrez nous écouter en live et nous dire ce que vous avez pensé de notre prestation sur notre MySpace au www.myspace.com/. Oh, c'est dans le Caravan Palace. Voilà. Vous faites un Google, hein. Got rhythm.
tu t'emmènes de l'enfer au paradis. Voici la caravane.